Bonjour et bienvenue dans l'Antre du démon. Aujourd'hui à l'émission, je vous parle de l'Underground de Waterloo, un festival totalement gratuit qui se déroule en plein air à Waterloo et qui nous fait découvrir plein de bands du Québec. Cette année, on a eu la chance d'être partenaires médias avec eux autres et compte tenu qu'ils ont eu beaucoup de soumissions de bands, les organisateurs ont choisi, dans le fond, de mettre plein de bands sur leur line-up et de se garder quelques trous dans leur line-up et de se dire « Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec toutes ces bands-là? » Il y avait un petit peu de misère à choisir. Fait qu'ils se sont dit « On va utiliser nos partenaires médias. On va leur faire des votes sur pour choisir qui c'est qu'ils veulent avoir au festival. » Parce que dans le fond, le festival, c'est pour vous qu'on le fait. Fait que voilà, vous avez la chance de choisir certains des bands du line-up. Et je vais vous les présenter un peu plus ce soir. Parce qu'on ne se le cachera pas, faire un concours comme celui-là, ça offre beaucoup de visibilité pour le festival Underground de Waterloo. Ça donne beaucoup de visibilité aussi pour le média. On a eu beaucoup d'achalandage sur notre page grâce à ce concours-là. Mais on avait aussi à cœur de donner de la visibilité aux bands, que les groupes aussi en tirent un avantage de cette compétition-là. C'est pour ça que ce soir, on va vous les connaître un petit peu plus, en commençant par Branded by Pain. Branded by Pain, c'est un groupe de thrash metal assez brutal qui provient de la rive sud de Montréal. C'est un trio, trois gars. En fait, c'est Alex Soucy qui est à la basse et qui chante. Il y a aussi Martin Hull qui est à la guitare et Jim Kahn qui, lui, est au drum. Ils offrent une musique, on l'a dit, thrash metal assez brutale. C'est une musique qui est assez old school aussi, qui nous offre vraiment comme un thrash qui est rapide, qui est droit d'en face. C'est franchement intéressant. Ils ont foulé énormément de scènes depuis leur existence qui remonte à presque une décennie. Ce qui fait qu'ils ont de l'expérience, ils sont capables de faire vraiment lever une foule. C'est une expérience qui, c'est sûr, qui vaut la peine d'être vue. Puis on est très content de les avoir dans notre trio de groupes à découvrir parce que je pense qu'ils le méritent pleinement. Ils nous ont offert jusqu'à maintenant deux albums. Among the Mad qui est sorti en 2013. Puis en 2017, un EP qui s'appelait Give Me Strength. Et de ce EP-là, a paru une chanson, entre autres, qui s'appelle Lost. Et on va vous offrir justement un petit extrait de cette chanson-là. Ça y va tout de suite. On est de retour maintenant et je vous parle de Skullmass. Skullmass qui est un groupe, un son assez particulier, mais tout d'abord, je vais vous parler du line-up. Francis Louis XVI qui est au chant. Ensuite, il y a Éric Gains qui, lui, est à la guitare, accompagné aussi de Catherine Rangé qui est aussi à la guitare. Il y a Stéphane Chaillé qui, lui, est à la basse et ça termine avec Simon Thibodeau au drum. Ce groupe-là a les inspirations à la fois doom metal, thrash metal, black metal, mais leur musique en soi est du death metal. Mais avec tout ce melting pot-là qui se rajoute à l'arrière et se mélange à la musique, ça nous donne un son vraiment spécial. Le quintet, il se présente sur scène et il démolit tout. Il a tellement donné une bonne performance dans un show qui a eu lieu à la fin 2018 que Mathieu Corbeil, un étrange inconnu d'un groupe qu'on nommera pas, il a fait un tirage dans une soirée DMBH Prod et j'ai eu la chance de gagner leur album. C'est là que je l'ai découvert, ça fait pas tellement longtemps. Et j'ai fait « Wow, c'est vraiment de la très très bonne musique ». Et on est vraiment content de vous donner la chance de les voir à l'Underground et de les soumettre ainsi au vote. Leur album qui s'appelle d'ailleurs « Rise Above Blood » est paru en 2017. Et c'est un album qui présente une dizaine de très très bonnes chansons. On nous en a choisi une dans le lot qui s'appelle « Blade Gasm ». Et cette chanson-là va vous être donnée juste présentement un petit extrait pour le plaisir de vos oreilles. Yeah.
on est de retour maintenant pour vous parler de Vanta Black Warship. Vanta Black Warship, dernier mais non les moindres, parce que composé de 5 gars qui ont beaucoup d'expérience au niveau de la scène. Ils se plaisent à dire qu'ensemble, ils ont plus de 100 ans d'expérience de scène si on additionne l'expérience de chacun. Ce qui est probablement pas faux, en fait. On commence avec Yannick Pilon, qui est au vocal, qui lui arrive de Arsenic 33 et de Buffalo Theory Montréal. Ainsi que Pat Gordon, qui lui, ben, il est dans toutes les bands du Québec. Non, je niaise, mais en fait, il est à la guitare et il joue encore d'ailleurs dans Goulinatic, dans Les Écorchés, dans Buffalo Theory. Il y a aussi Thierry Yvon à la guitare, qui lui provient de Brutal Chérie ainsi que Sarcasme. Il y a Kurt Clifford, qui lui est à la basse et qui n'a pas joué pendant longtemps, mais était un des membres fondateurs de Four Shadow dans les années 90. Ainsi que son ami Pierre Pitre, qui est au drum, qui était aussi dans Foreshadow, mais aussi dans Arsenic 33 avec Yannick Pilon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Anyway, tous ces gars-là ont formé un super band ensemble, un band de trash metal, mais crossover un peu, avec plein d'inspirations assez particulières. Le Vanta Black Warship, le Vanta Black, faut sachez que c'est une sorte de noir très, 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 très foncé, inspiré un peu de la suie, de la poudre à canon, ainsi que ben, le Warship, évidemment, c'est le vaisseau, le navire de guerre. Donc, cette musique-là trimballe beaucoup, beaucoup d'agressivité, beaucoup de hargne, puis nous transporte là, au flot de leur musique. Sur scène, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. C'est des gars qui ont de l'expérience et qui sont capables de vraiment mettre le feu à la place. Ils ont sorti deux albums. Tout d'abord, en 2015, un EP de 6 pièces quand même qui s'appelait originalement Vanta Black Warship. Et un album qui est paru au tout début du mois de janvier 2018 qui s'appelle Abrasive Pulmonic Speak. Justement, pour l'occasion, on vous offre la chanson-titre de cet album-là pour vous donner une idée de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, je vous laisse sur cette musique-là et je vous reviens pour une petite conclusion. Alors, c'était nos trois bands qu'on vous présente et qu'on vous soumet au vote. Trois bands de Montréal, trois bands qui sont tous indépendants de label, trois bands qui font leur bonhomme de chemin, qui offrent une musique vraiment entraînante, vraiment agréable à écouter, qui donne une prestation scénique hors du commun. Vraiment, on est gâtés, on vous offre trois bijoux. Si vous n'avez pas la chance de voir un de ces bands-là, parce que dans le fond, évidemment, ils vont n'avoir qu'un seul gagnant. Si les deux autres, vous n'avez pas la chance de les voir à l'Underground, je vous conseille fortement de les voir dans un line-up près de chez vous, parce que c'est vraiment des bands qui valent la peine d'être connus. Sinon, ils ont tous des albums à vendre. Ils sont pas chers, parce que c'est des super bons bands québécois, mais vu qu'ils font tout eux-mêmes, ils essaient de vous offrir quelque chose à un prix vraiment abordable. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter une oreille. D'ailleurs, tous les liens pour les bands, pour le festival, pour voter, pour vous procurer leurs albums, que ce soit par Bandcamp ou par leur page Facebook, tous les liens vont être dans le post que je vous ai mis la vidéo dedans. Et je vous invite vraiment à participer en grand nombre. Choisissez le band qui vous plaît le plus, que vous avez le goût de voir à l'Underground de Waterloo. Et en terminant, je vous laisse sur une chanson d'un groupe qu'on a eu la chance de voir justement l'année passée à l'Underground de Waterloo. Il s'appelle Reanimator et je vous offre la chanson Rush for the Mush. On se laisse là-dessus puis on se revoit bientôt dans l'antre du démon. Bye tout le monde. Fucking nature.